Allo tout le monde, voici Champion MMCR, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni 2. Dans la dernière vidéo, nous avons prouvé que le Magnitutu était faux type et qui utilisait la triche en allant dans une usine dans la forêt de Nier. Puis, vu que tout est fini, nous faut qu'on aille voir le maître Nier pour tout lui dire. Maintenant, fantastique! Vous avez réussi, comme promis, autant d'or que vous voulez, vous pouvez utiliser. Thank you. Merci beaucoup! Nous allons enfin pouvoir commencer à bâtir notre royaume. Dites, Maître Nier, la spirituelle du gardien de Gamblor a été volée par un mystérieux personnage. Ok. Pas sûr. Mais alors, le gardien fou de rage a dû devenir. Ben, il est devenu, mais on a réussi à le calmer. Apparemment, il va se tenir tranquille maintenant. Vous valez une spirituelle, une mince affaire, n'est-ce pas? L'aura maléfique de cette personne a dû utiliser. C'est vrai qu'il manipulait une sorte de magie violette. C'est vraiment magnifique. Il y a que cela est de retour. Cela signifie que cela, du royaume de Lunélide sur le continent de Vesperi, cela était le quartier du surnom. Le dieu magnifique. Il a ensuite hérité. C'est son pouvoir de cette personne peut utiliser. Aye. C'est qu'avec lui, il ne se perçoit et doit partager du roi Kundal. Il doit donc certainement s'agir. Il nous suffit donc d'aller rendre visite à ce Kundal pour le forcer à rendre la spirituelle de Fulog. Bon. Malheureusement impossible, cela est. Il y a 2000 ans de cela, Lunélite et Vesperi ont disparu. Golly. Mais attendez, Kundal vient d'un royaume qui a disparu il y a 2000 ans. Quoi? Mais c'est fantôme alors? C'est un fantôme, hein? Et si la spirituelle d'autres royaumes, il peut voler, alors la résurrection de Solène, il doit sûrement préparer. S'il a bien son plan, il réussit à mener le monde entier dans l'aura maléfique sera plongé. Le grand Manitoutou nous a dit qu'il y avait de grandes chances que les autres quartiers se fassent attaquer à leur tour. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? On peut pas laisser ce Kanda voler les autres spirituas et encore moins faire revenir Selene à la vie et détruire le monde. Plus que jamais, nous avons besoin d'une base d'opération. Eh bien, allons la construire tout de suite. Ouais, allons fonder notre royaume. D'une grande aide, vous m'avez été. Alors, moi aussi, à votre nouveau royaume, je voudrais me joindre. Vraiment, ça serait bien? Et je crois qu'avoir la même idée, le seul, je ne suis pas. Quoi? Ça veut dire que je suis pas le seul à pas avoir compris ce qu'il a dit. La phrase était hein? Je suis sûr que c'est très voulu, mais hein? Qu'est-ce qu'il faisait par là?
que ce France m'a construite. Je vois ça, on voit qu'il a pas bien compris. Look. I smells a smell on the wind. Not a progress. Seems the mangy dolls got tired of twiddling their thumbs. Oh my! Decided to call our kingdom Evermore. Well, what do you think? Mm-hmm.
Listen up, you magey curs! King Evan's got a rousing speech for you! Pay attention! Huh? Hmm. Thank you all! Building our new kingdom won't be easy, but we will build it! A beautiful, bountiful kingdom, where everyone can live happily ever after. Wow. I want you all to join me on this journey. The road ahead may be a long one, but at the end of it, there is hope. There's King Liyue! That wasn't half bad! Nice speech, Evan. Couldn't have done better myself. This is where it all begins. Here and now, our kingdom. We're with you to the bitter end, lad. Come. Thank you, all of you. So the people who had heeded Niel's call and flocked to the Heartlands set about building their new nation. And Evermore took its first faltering steps on the road to becoming a kingdom. A kingdom where everyone could live happily ever after. Just as Arinella had wished. Or so they hoped. For someone with a brand new kingdom, you don't look very happy. I am happy, but I'm worried. There's still so much we don't know. And now there's a force bent on destroying our whole world. How can I ever hope to overcome something like that? You can't, on your own. But you're not on your own, are you? No, not anymore. I have friends beside me, the best friends I could ever hope for. That's right. So turn to them when you need to, and take it one step at a time. You'll get there in the end. I suppose so. I can only do my best after all. Exactly. And your best is only going to get better. I'll see you again soon, Evan. Yes. See you soon. L'Orient prend bonne forme. N'est-ce pas? Je pense que l'heure est venue de parler sérieusement de la direction de l'Orient. Très bien. Convoquons tout le monde. Chapter 4. Ferdinand. Mighty Ferdinand.
All right. La construction du château est enfin terminée. Il est désormais temps de commencer à organiser le royaume correctement. Une fois les bâtiments nécessaires construits, nous serons à même de faire prospérer le royaume avec l'aide des citoyens. Ouais, parce que pour l'instant, ça ressemble pas à un patelin de la vallée Borasque qu'à autre chose. J'ai listé les citoyens les plus doués parmi tous ceux qui nous ont apporté leur aide. Evan, c'est à toi de décider où tu veux les affecter. Les éléments cruciaux pour bâtir sur de bon rail. Mais ça, c'est pas bon rail. Peu importe. Il suffit de répartir les tâches selon les caractéristiques de chacun. C'est bien ça. Il a mon opinion. Tu avais compris. Reste objectif. Et ça irait vite. Ah, une dernière chose. La gestion du royaume se fait depuis ton trône. Essaye donc de t'y asseoir. Ah, c'était sérieux. Moi, le roi Evan, premier du nom. Ah, je voulais vous parler un tout petit peu. Juste avant de prendre continuer. Vous avez vu que je voulais laisser lire un certain temps. Vous avez pu le voir. Je suis pas une téléportation. Sauvegarde. Ah, oh, ben oui. Mais pas de point de téléportation. Peut-être d'or. D'or. Point de téléportation. Mais il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire dans la dernière fois que je parle. Vous savez, avant chaque chapitre, depuis le petit bout, bon, depuis. Avant le premier, le deux, chapitre 2, avant le chapitre 3, avant le chapitre 4, ça va comme dans une autre salle, donc on sait trop où. On dirait qu'il est dans un rêve, on sait trop quoi. On sait que s'il parle de les choses actuelles, on sait que c'est pas des souvenirs. De choses qu'on aurait pensé dans la première fois qu'on les voit les deux. Puis, une autre affaire qui disait pour aller au chapitre 3, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Ça, c'est étrange. Et tous ces conseils qu'il dit, c'est des conseils que quelqu'un qui a déjà dit. Mais qui est cette personne? Ouais. Faut se poser cette question-là. Puis, vous savez, cette série-là, c'est la série où je procède d'une façon complètement différente. Je sais que plein de plus complètement, mais c'est le cas. Je procède d'une façon différente de toutes les autres séries. Vraiment. Puis je suis là, à l'heure que vous regardez cette vidéo, puis à l'heure que je tourne, moi, on est le mois d'août, puis. Il y a une panne d'internet, hein? Nous sommes trop où exactement. Si vous voulez savoir à quelle date que je tourne, j'ai attendu pour les 4 dernières vidéos. Bon, les 4 premières vidéos, pourquoi c'est les dernières? Les 4 premières vidéos dont vous avez. Oui, là c'est officiel que c'est en septembre. J'ai décalé pour les 6 que j'ai faites jusqu'au mois d'août, tout simplement. Le 27 août, qui était le 6 dernier. L'autre, le 5e, il était quelque part dans le mois. Bon, alors que je tourne, je sais pas la date. Mais c'est officiel. Mais, une chose qui est sûre, je suis un peu déçu. Pas la série, parce que la série, j'adore. J'adore le jeu et tout. Je suis déçu pour qu'est-ce que t'es vu. J'arrêterai pas la série parce que je veux la faire jusqu'au bout. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autant d'audience que ça.
c'est une bonne histoire en plus et tout. Mais là, tard de bavardage, allons ici. Vous avez vu la photo de la miniature. Bon, quelques explications que je vais vous laisser passer, que je vais vous passer. Nous, ça c'est notre château, qui est pas très très gros. Qu'est-ce que les instructions qu'ils disaient? En passant, nous avons maintenant 2500 pièces d'or. Les PO, c'est pièces d'or. Qui va être indiqué avec les florins. Mais nous sommes rendus à Torfman maintenant. 0 sur 7 habitants. Puis 0 sur 17 maisons. Ok. Construire. Nouveau bâtiment de recherche militaire qui va coûter 350 pièces d'or. Influence plus 15 000. Plus vite qu'on construit les affaires, vous avez construit la forge. Les bâtiments plus importants, ceux qui influencent l'histoire, tout ça, plus vite, ça va être réglé. Influence 16 000. Ça va être tout ça, notre terrain. On va construire tout de suite. Je pense que de toute façon, ils vont nous demander ça. Pour 300, ok. Nouveau passeport de recherche technologique. Je me demande avec quoi. Vous avez construit l'armurerie. Ouais. Un autre 350. On sait pas ce que construire l'institut de magie. Ok, c'est là qu'on le sait. L'école de magie, ça gâche. On a construit l'école de magie. Ok. On va dire Poudlard. On a construit Poudlard. Et le dernier, et non le moindre, qui va être construire la villa aux mousses. Oh, c'était pas sérieux. Ça dit, on peut avoir des nouveaux mousses. C'est ça que ça veut dire? Ah. Je me demandais justement à quoi ça servait. C'est quoi les cons? Ça me répond à ma question. Les défenses, la technologie, la nature et la magie. Puis les trois sont. Ok, la défense c'est le grand gaillard. La technologie. Je dirais que je sais pas. Il y en a tellement à apprendre. C'est incroyable. Assigner. Bon. Lui, ça c'est les trois, ça sont les guerriers. Karl, lui c'est nature et guerrier combat. Lui c'est combat technologie. Puis lui c'est combat, technologie et nature. On va prendre lui. On fout du plus. On va faire une recherche. Arme de courte portée. Okay. L'efficacité du bâtiment n'est pas assez élevée.
Faut peut-être en assigner plus. Peut-être. On va signer lui, puis on va signer lui, là. Correct, là? Ah! Les recherches sur armes de corps portée 1 ont été lancées dans la forge. Là, on peut juste ça parce que... Là, on peut juste aller là. Parce que c'est un tutoriel, mais c'est gros le jeu. C'est pas croyable comment il y a du stock. C'est incroyable. Terminer recherche. Les recherches sur armes de corps portée sont terminées. Oh, je vois qu'il y a des bâtiments de recherche pour appeler les choses. Les armes, les vêtements, la magie, les mousses. Malheureusement, nous n'avons personne de compétent pour s'occuper des mousses. Ben oui! Tati! Les mousses, c'est les esprits, c'est ça? C'est Zora? Les mousses et l'esprit, c'est ça? C'est toujours vous les gâcher. Oui. Sans une personne qui s'y connaît, nous ne pourrons pas nous développer dans ce secteur. On peut toujours recruter quelqu'un, mais qui? Et pourquoi pas Tati? Patati, c'est qui Patati? Patati. Gretchen, la dame qui s'est occupée de nous sur le chemin de la vallée Boaraski. Pourquoi pas? Nous gagnerions à la voir à nos côtés. Bon, c'est décidé. Allons vite lui rendre visite pour lui demander. Sortons un tout petit peu. Oh, c'est très intéressant. On a un royaume à gérer ici. Mais cette fois-ci, la différence est que... Par contre, la différence, c'est que je suis pas gouverneur ou je sais plus trop quel titre, je suis le roi. Ah, belle la musique. Mais faut avancer dans l'histoire. Faut écouter les musiques là. Hello there. Oh, c'est vous les enfants. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Hello. J'aimerais vous demander quelque chose à Tati Gretchen. En tant que roi, je vous demande solennellement de vous joindre à notre royaume afin de devenir notre spécialiste des mousses. Il va direct, hein? Pas de gêne, direct. Well now. Oh oh oh! Vous avez l'intention de me recruter? Eh bien. Oh.
J'imagine que ce n'est pas possible. Désolé. Au contraire, c'est une bonne idée. Mes vieux os sont un peu rouillés, mais je veux bien te suivre, surtout avec les mousses qui rôdent de ces temps-ci. Merci, Tati Gretchen. Tu peux toujours dire Tati, Evan. Ah, mais j'oubliais. Tati s'est fait voler son éponge à Récurie. Ok. What? Une éponge à Récurie? Now, dear. Attention, mon petit. Il ne s'agit pas de n'importe quel éponge. Ceci a un pouvoir très particulier. Ok. C'est une merveille éponge qui fait disparaître n'importe quelle tâche en un tour de main. Voilà pourquoi on l'appelle l'éponge miraculeuse. Et il me la faut absolument pour nettoyer ma marmite à mousse. Sinon, je ne pourrais pas cuisiner de nouveau mousse. Gosh. Ça se cuisine les mousses? D'accord. Cuisiner des mousses? Là, même pour des interrogations avec. Je n'imaginais pas ça comme ça. La même chose. Et qui vous a volé votre éponge alors? C'est le petit chapardeur de Amstergaster. Parzi. Ils ont leur repère tout près d'ici. J'ai bien essayé de la récupérer, mais c'est que ces crapules sont coriaces. All right. Je vois, alors on va aller la récupérer. Leur repère se trouve dans la grotte de la rivière. Tatar for now. Promis, je viendrai m'installer chez toi. Quand tu m'auras ramené ma précieuse éponge, je compte sur toi, mon petit. Wow! C'est pas dans des bouquets de la musique. Ok, l'éponge de Tati Gretchen. Attends, Et c'est un gros jeu, c'est incroyable. Avant que Cathy Gretchen parte pour Espérance, elle souhaite que l'on retrouve son éponge miraculeuse. Que on dirait que c'est. Ça va continuer. On dirait que c'est comme une requête de royaume, quelque chose de même. Elle souhaite que l'on retrouve son éponge miraculeuse que les Amstergaster ont volé. Il devrait se trouver dans la grotte de la rivière, là, là. Je sais pas si c'est une indication. C'est le premier du nouveau royaume. Et la récompense, c'est l'expérience du florin. 350 florins. Et de 1010 à 3 feuilles. Okay. D'accord. Voulez-vous ajouter cette mission au suivi? Ouais, et on y va. Voilà. J'espère qu'il va pas nous attaquer parce qu'on n'a plus attaqué. En plus, ils sont de bas niveau. Non, mais on va là, la marque marquée. De toute façon, ils sont peut-être de bas niveau. C'est pour ça. C'est le fun. Qui nous attaque pas, c'est le fun. Par contre, ici, ce n'est pas de bas niveau. Ah! Le voilà! C'est eux qui ont volé l'éponge de Tati Gretchen. C'est ces affaires-là. Il faut qu'on la récupère tout de suite. Je pensais pas que c'était ces affaires-là. Oh, je suis niveau 20 en plus.
Do your worst. Je m'attendais à plus difficile que ça. Vous obtenez une éponge miraculeuse. Et voilà, l'éponge miraculeuse est à nous. Rendons la fête à Tess Gretchen. Je peux te juger. Bravo. Je te donne 20 sur 20. Oui. Eh, oi. C'est qui celle-là? Tu la connais, Evan? Non, c'est la première fois que je la vois, cette personne. J'ai assisté à la bataille que tu viens de remporter et tu détiens exactement le talent au combat que je cherche. Je cherche. Écoute donc ce que j'ai à te dire, mon petit. En tant que magister, je vais t'assigner une mission de la plus haute importance. J'aime pas la torture que ça prend. Le tourneur. Mission un jour. Je suis pas une téléportation là-bas. Sans doute avoir vu une téléportation. Quel sens de bleu là-bas? Que je me trompe aussi. Mais c'est qui cette personne au jeu? Ah, un coffre. J'attends une baguette rustique du lac. Alors là j'avais vu quelque chose de bleu. Ça en bleu aussi. C'est quoi ça? J'ose même pas y rentrer. On va aller porter l'éponge miraculeuse. Après ça, on va aller là-bas. Du moins... j'aurais probablement pas le choix de... Vous êtes... Mon nom est Milena, magister de profession. Ta maman ne t'a jamais dit de ne pas parler aux inconnus? What? Mais vous venez juste de... Chut, répondez. Chut, répondez mal poli et fera baisser ta note. Entendu? Prends plutôt ceci. Je tenais une clé de l'imaginaire. Hmm? Une clé? Yeah. Exactement. Une clé qui ouvrira les portes de l'imaginaire. Disséminé aux quatre coins du monde. As-tu déjà vu des portes se trouvant où elles ne devraient pas être? Impossible de les ouvrir pour voir ce qu'ils cachent, n'est-ce pas? Eh bien, cette clé peut les ouvrir. Merci, qui? Merci, Milena. Gosh. Je vois. Ça t'en bouche un coin, hein? Si je me notais moi-même, je me donnerais un 20 sur 20. D'autant plus que je n'ai pas choisi cet endroit par hasard. Au fond de cette grotte se trouve l'une de ces portes. Malheureusement, il y a quelque chose que je dois régler.
Quoi encore? J'ai beau être une magister de talent, mes capacités à me battre n'atteignent pas la moyenne. Le mauvais point, c'est que j'ai des recherches à mener qui nécessitent de combattre. Le bon point, c'est que quelqu'un est venu pour m'aider. Et j'imagine que c'est quelqu'un... Que c'est quelqu'un. C'est toi, oui. Qui d'autre? What? Mais pourquoi moi? Hey. Hop. Tu m'as répondu encore une fois. Je t'ai prévenu. Je réduis ta note d'un point. Flip it, Ekman. Mais elle se prend pour qui, celle-là? À noter les gens à tout bout de champ. Je te l'ai déjà dit, je suis... Milena, magister de profession, il va falloir vous en souvenir qu'on travaille ensemble désormais. Mon Dieu. Vraiment? En temps normal, je dirais quelque chose, mais je veux pas de points en moins. Bien. Derrière les portes imaginaires se trouvent des labyrinthes imaginaires. Où de chacun de ces labyrinthes se trouve fréquent imaginaire. Amène-moi neuf. Les labyrinthes. Fallait ça en plus. Neuf fragments. Si tu réussis, ta note augmentera. Sur ce, je retourne à Gamblor. Et viens me voir lorsque tu auras tous les fragments. Elle vient de Gamblor en plus. Okay. Tu peux bien prendre ton temps. Je préfère que tu fasses les choses proprement. Merci. Je compte sur toi. Attends, t'es pas de le faire là. On va aller voir ta Sigretchen. Enfin! Elle met la pression avec ses histoires de notation. Il y aurait donc une de ces portes au fond de cette grotte. On peut bien aller voir ce qui en est maintenant, mais faut pas oublier l'éponge de Tatigarchen. C'est toi qui décides. Envoie-le à l'école. Colis de chance comme récompense. Honnêtement, c'est une quête optionnelle peut-être, mais fuck. Ça, c'est le lac probablement. Ça me tente tellement pas de le faire honnêtement. Hein? Si en bleu, ils nous attaqueront pas parce qu'on est trop fort. Si en blanc, peut nous attaquer. Puis si en rouge, ça dépend. Mais si on va l'affronter, on va l'affronter là. S'il nous empêche pas de l'affronter. Il y a des informations dans ce jeu à retenir par contre. On va aller voir Tati. Oh, faut pour Gatsen. Tati. Vous remettez l'éponge miraculeuse. Thanks ever so much. Oh, merci beaucoup, mes petits choux. Je vais pouvoir faire briller à nouveau une marmite et ajouter d'autres joyeux petits mousses à ma grande famille. Il y a encore le soleil, l'eau qui est là, que je pourrais prendre le feu aussi. Ah non, mes chéris, soyez sages et gardez bien la maison en mon absence, d'accord? Righto. Ah, il reste là, eux autres! Voilà, mon petit Evan. Comme promis, je fais mes valises et je pars m'installer dans ton royaume tout de suite. Merci, Tati Gretchen. Mission accomplie. Terminée.
Tati Gretchen a rejoint Espérance. Oh, on va s'asseoir là-bas. Voilà donc votre château. Ça m'a tout l'air d'être un endroit agréable, agréable à vivre. Oui, je répète qu'est-ce qu'elle dit, même si on l'entend. Ravi d'entendre que ça vous plaît. Encore merci d'être venu nous aider. C'est moi qui te remercie de m'avoir convié, mon garçon. Si tu veux confier du travail à Christian, n'oublie pas que c'est depuis ton trône. Tatar for now. Bon. Je vais aller me décourser les jambettes. Appelez-moi dès que vous aurez du travail. Pour moi. Hey. Il y a encore quelque chose dont j'aimerais te parler. Viens me voir dès que tu peux. D'accord. Mais là, on va arrêter la vidéo là. Bon. J'ai vu avec Elio, ça fait plus de miniature que ça, ça Kevin. Avec Evan, il l'aura, ça avec Evan. Grâce aux efforts des citoyens, nous avons réussi à faire 150 pièces d'or de bénéfice. Mettons-les de côté pour l'utiliser à bon escient. Ouais, on peut les récupérer au fur et à mesure. Main-d'œuvre. On a tout ça de main-d'œuvre. Ah oui, notre cuisinier. Bien sûr, bassement. Recherche. Arme de courte portée niveau 2. Coûte quand même 1350 pièces d'or. Mais par contre, aide. Production de matériaux. Nous allons aller ici. Repérer des mousses. Assigné. Tati! Christian, spécialiste. Oh, c'est marqué spécialiste. Ample. J'ai besoin de ceci. Recherche. Mousse à cuisiner. Cuisiner 1. Mousse à cuisiner 2. On va commencer par le 1. Des recherches sur mousse à cuisiner 1 ont été lancées dans la ville de Mousse. Ça coûte combien pour le mettre niveau 2? C'est une île de pièces d'or. Si, pas donné. Mais c'est fun. Moi, on peut gérer un royaume comme ça. Bon, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller voir là. Tout simplement. Beaucoup de choses à apprendre de mon côté. C'est quand même une vidéo de plus d'une heure, hein, que pour moi, d'enregistrement, mais qui va s'avérer à peut-être 45 minutes. Je ne sais trop combien de temps. Bonne chose que ça, j'ai hâte de continuer, mais aujourd'hui, de toute façon, pourquoi continuer tout de suite quand comme ça, je suis en avance dans mon temps avec ça, cette série-là. Je vais pas aller trop vite non plus, je pense, aujourd'hui ça va parce que les pandémies des ragnettes. En gros, je m'en allais sur CFT, je vois.
Jouer sur ce petit pour Mili, les kites là. Mais les fonds de cale. Mais là, je peux pas rien faire là. J'ai pas internet, je peux pas. Mais là, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de Ni no Kuni 2. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien est sur le banner de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni 2. La série à laquelle que nous gérons un royaume dont je suis le roi. Moi, le roi Evan, premier du nom. Du royaume de l'espérance. Donc le nom, laisse ça tirer un tout petit peu. Je comprends le lien, mais je trouve que c'est pas le meilleur nom, à mon avis. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.